vraiment besoin de voir le jardin comme ça. Ouais. Une tyrolienne trop de ouf. Salut VOD, on va finir la fourmilière noire. Bonne nuit royale. Bonne nuit royale. On va explorer finir d'explorer la fourmilière des fourmis noires. Pour finir d'explorer. Attends, laisse-moi parler, je parle VOD, putain. Pour finir d'explorer le labo qu'il y a dedans. Voilà. Coucou la VOD. Et on vous dit coucou la VOD dans le chat. Voilà. C'était ça que c'était drôle. Oui, mais le chat, la VOD s'en fout de ce que tu dis. La VOD connaît, ouais. Chier la VOD, non. Ah là là. Aucune vie sur la nuit. Est-ce que je peux analyser une vie? Non, je peux pas analyser. Je me barre. Pourquoi? Il me fait peur. Bon, je vais rester appuyé avec un autre doigt sur courir. Ouais, peut-être leur bagne, mais leur bagne ils galèrent un peu, alors je préfère éviter. Je vais me courir en arrière. De quoi? Je vais même courir en arrière. Ah mais c'est un coup à tomber, hein, parce qu'on voit pas. Moi je vais manger mon cassoulet, et ben bon cassoulet. Just give me a second to let my eyes adjust to that. C'est marrant le perso qui dit que ses yeux doivent s'ajuster. Ouais, parce qu'il y a de la terre et que tout n'est plus fou, ouais. Peut-être, je sais pas. Oui je pense. Mais c'est marrant que le perso le dise. C'est rigolo. Ça se rend fou derrière les poubelles, quoi. Ok, on va arriver. Oui. Un petit périple. Tu sais, j'avais trouvé de la science, mais j'ai pas trouvé dedans. La science. Ah, il y en a une dans le coin des fourmis noires déjà. Il y en avait une. Oh, attends, on peut grimper là-haut. Attends. On peut grimper dans la glacière. Okay, on peut gratter tout là-haut. Ah, je me demande s'il n'y a pas une dent en bas là. Bah, tu veux venir? Ouais, c'est vraiment fait pour, tu peux grimper sur la poubelle quoi. Après, oh laisse tomber, il y a tout un truc à explorer au-dessus. Mais comment on ira plus tard. Que t'es monté? Ah, c'est vraiment, t'as un endroit, ça a l'air vraiment d'être fait pour. Ouah, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça, une pomme vide dessus, putain, j'ai l'impression que c'est. Bon. Ouais, on ira plus tard, on va prendre milliard. Il y a tout un truc là-haut, hein. J'ai fait ça. On ira plus tard. Juste voir là si c'était bien une dent, le truc blanc que j'ai vu en bas. Et. C'est quoi? Non, c'est du gravier.
let's go. Ah, gna gna. Il est trop long. Ok, on est parti, Lox. Mmh. Large. Non, j'hésitais à le prendre, mais en fait, non. Niveau place, on en est. On a plus beaucoup en vrai là-bas. Bah, retour peut-être. Attends, il y avait un petit passage à gauche, au final, ouais, il y avait rien du tout. On avait jamais. On avait jamais été. Ah, il nous attaque quand même. C'est nul. Là, t'as le full, t'es sûr que je viens équipé? On dirait que t'as le full. Ouais, je te vois, t'es tout en noir. Après, j'ai pris un morceau de Billy Hot Dog. Est-ce que c'est pour ça? Il y avait un petit morceau qui traînait. On va le savoir sur les prochaines. C'est quoi l'avantage du truc fourmi noir alors? C'est une histoire de parade. Ah, ok. Merde, je pars mal avec elle. J'arrive pas à parler. J'en tue tellement. Ok, bon, du coup, ça aide pas l'armure, quoi. Ah, y a autre chose, mais je pense pas. On faudrait que tu me files des flèches un peu. Ouais. On a récupéré beaucoup. Ah. On est 90. Okay, on 67. Non. Mais pour le moment, on est bien. Ouais, moi, je suis pas dit, mais. Et puis, bah, nous attaquez pas en plus. Ah merde. Ouais, alors, forcément, fait, non. Bah, non, pas les. C'est les soldats qui nous attaquent, après les autres suivent. Si, on a besoin aussi de leur compo en vrai. J'ai une ennemie 30. On a besoin aussi pour leurs armes et tout. Ah la vache, tout ce qu'il y avait quoi. Tu veux pas prendre des flèches? Ah, tu les as posées. Oui, j'ai dit tiens, j'en ai mis 30. Ah, mais j'ai récolté des trucs. J'ai juste entendu j'en ai mis 30, je savais pas à quoi ça correspondait. Ok, bon, t'as le prix de fourmi. Et par où la suite?
s'est bien cassé la gueule, je crois. Ouais, je suis par là. Ah oui, c'est par là. Et après. Je m'en veux plus. Ça, c'était B. On avait ouvert ça. Mais merde, putain, il y a trop de tourmis. Elles m'ont attaqué, hein, Lox. Elles m'ont attaqué direct. Hein. Et il n'y a pas de. J'arrive. Oh, c'est normal, on va faire un loot et on va. Allez, allez, allez. Je sais pas si elle fait qu'elles m'ont attaqué, mais elle est venue m'inspecter en fait. Ah oui, oui, c'est possible. Genre me renifler un peu, tu sais. Donc faut pas les laisser te renifler. Ouais, là je les fuis, c'est bon. Ok. Faut juste rush quoi. Voilà, de toute façon dans le labo il y en a pas. Donc là, ça va. Ah non, c'était pas ici. Je pense que je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Faut suivre la porte B, ça te fait aller tout droit, et ensuite à gauche t'avais le passage, donc je vais aller le péter. Non mais c'est bien, du coup je suis rassurée de savoir qu'il va déjà mieux ta fille, Fernalo. C'est cool. Oh trop chiant, équipé. Ok, je t'attends. J'arrive. T'es rentré dedans? Ouais. Tu devrais voir mon poids, je pense. J'ai détruit du coup le deuxième caillou là, tu sais, qui bloquait. Ah ok. J'ai pas trop encore exploré, je regarde un peu là. Ok, il y a un nouveau champi, et on peut les récolter. On va se donner un morceau de champi. Classique. Un peu osef, hein. Ah, je voyais là. Oh, c'est quoi ça? Je n'entends pas de bruit, mais je sais pas. Je suis détapé, je sais pas, j'ai rien fait. Ok. On a de pouvoir monter ouais, un peu. Peut-être une sorte de machine oh quelque part. Hé hé hé. Ah 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 ah. Tombé. Un mic. Un méga. Mega Milk Mola. C'est joli comme nom. Je sais que t'apprécies. Ouais, je trouve ça horrible. Ok, bah c'était juste un petit étendard à Mega Milk, je pense. Et c'est bien, on se plaint pas. C'est bon, deux bombes pour le Mega Milk au final. Mettre qu'un endroit. Hein. Après, il l'avait un peu caché en vrai, c'était ça en fait. Ok. Ouais, bah je rentre pas. Non. Là, t'avais pas vu. Non mais c'est des fourmis, les soldats. Je vais faire quoi d'autre? Bon bah elle passait, je me suis dit peut-être qu'en passant. Ah c'est des soldats. Oui non mais elle passait au loin vers la droite. Mais oui, c'est vrai. Attends, elle bouge comme ça. On n'a pas réussi à voir ses yeux. Ouais. Nager. Oh non, elle a reculé, mais. Là, j'ai eu. Oui. Il faut que je bouffe. Une
que je vois. Tu vidé parce que rappelle-toi, on avait vu que. Ah, c'était là qu'il fallait que je casse. Ouais. Ah, c'est stylé. J'espère qu'elle va pas partir en couille avant. Ouais, je pense que ça va déclencher un petit truc, hein. Ok, c'est bon. T'as l'arme et tout. Est-ce que tu vas avoir une éclaireuse ou pas? Il y a une alarme. Bon, de toute façon, on va avancer ensemble, non? Ouais, ouais, vas-y. Ah, alerte, un truc, je peux peut-être l'enlever. Ouais, ouais, enlève-le. Oh putain, non! J'étais à la limite, tu m'as repoussé. Tu rentres pas, merci. C'est quoi qui est sur toi? Ah, c'est des robots. Ça, tu devrais pouvoir les faire, non? Non. Ah. Oh non, je suis trop deg. J'étais à la limite où je rentrais pas complètement parce que je voulais voir s'il fallait. S'il y avait un gros boss, si on aurait pu se reculer, tu vois. Ah ouais, putain, c'est chaud. On aurait eu chacun un boss. Ouais. Te soigner ou c'est chaud? Ouais, mais ça sert tellement à feuille. On est en plein combat quoi. Il faut que tu aies deux petits au moins. Ou en fait, tu peux te mettre 2-3 bandages, ça va remonter un peu ta vie. Hein. Ouais, j'ai déjà. Ça te donne à chaque fois un petit 10%. 10%? Moi je dirais 2. Je sais pas combien de vie t'as. Confiance en toi. Couvrir un peu pour régène. Et prendre l'arc peut-être pour leur tirer dessus. Ah oui, par contre. Ouais, carrément, carrément. Pourquoi j'y pensais pas? Allez, Loxou. Allez, Loxou, c'est le défi. Oui, c'est une idée. Loxou, c'est un peu un petit défi. Et vas-y, Loxou. Un super arc. Alors, viens l'analyser lui, je vais essayer. J'aurai de l'endurance. Responsable adjoint. Ah! Ok. Allez, aigle, je vais te dire à quoi il est sensible. Je vais te dire, donnez. Ouais. Alors, ouais, faiblesse, concassage, salé, aigle. Donc, ouais, gros marteau si t'as. T'as la grosse masse encore. Bon, responsable adjoint, rappelle-toi, dans le premier labo, il fallait la carte de responsable adjoint. Tu peux être tenté de le défoncer à la masse si. T'as plus la grosse masse toi? Je sais pas s'il fait du concassage. Ah oui, oui, complètement. Et c'est le triple coup qui va être mortel si tu lui mets. Avec la masse. La deux mains elle est vraiment insane. Ok. Let's go. Ah, mais c'est pas la grosse que t'as. C'est la petite toi. Ah bah je savais pas qu'il y en avait une autre. Ouais, c'est, y avait celle fourmi rouge. Ah non, j'ai pas. Coup, là, c'est, je pense pas qu'elle fait concassage celle-là. Hein, vu que c'est la petite. Ah merde. Tu crois que je peux te la mettre près du mur et tu la loot? On peut essayer. C'est bon, tu la vois? Je l'ai posée. Ah oui. Oh GG. Oh nice up. Incroyable. Faut que je la trouve dans mon inventaire vite. Attends. Je vais bouger. Ça a marché quoi. Il rigole. GG. Ouais, c'est mieux. Ouais. Attends, je vais regarder sur ton live la différence. Mais normalement, le triple coup, surtout le dernier. Oh putain, c'est, il est rentré dans une autre phase. Oh merde. Oh merde. Ah, oh, c'est mieux. Il prend. Il est solide hein, quand même. Oh, vas-y, là-dessous. Ah ouais, putain, c'est trop bien. Ah, tu vis. Faut que tu t'accroupisses et tout, oublie pas. En fait, c'est tout. Ah, c'est. Soit, allez, soit, petit robot, des petits robots de merde. Bah, si, là. Putain. Et ça, tu rentres pas pour troll là. Donc, j'étais à la limite, je trollais pas à fond, j'avais peur que tu trollais quand même un peu. Hein.
Je suis obligée de rester loin pour le temps que je régène. J'entends des explosions nucléaires et tout. Ah non, j'avais un peu régène. Putain, j'étais bump. Comment ça va? Tu es dans la map. What the fuck? T'es plus dans la map? Ah! En fait, non, non, attends. Faut que je me mette au bord. J'arrive peut-être à me mettre dans le wall. Oh non! Oh, t'es là! Je vois! J'arrive! C'est bon. En fait, si je me collais au mur. Je pense qu'il considère. Il a réussi à glitcher. En fait, je me collais au mur, je faisais des contrôles, des sauts et tout. Merci. J'ai tout essayé, ça fait. Je fais. Et je suis arrivé au bon moment ou quoi? Putain, grave! Là, c'était trop là. Ok, je trouve pas ma masse. Ah, bah non, mais c'est ce qu'il a, je l'ai cherché dans mon inventaire. Que je te la donne, non, mais c'est bon. Non, Osef. Peut-être que tu peux peut-être plus te mettre au cac que moi. Peut-être plus de vie. Après, si tu focus, ça peut aller. Alors, je me mets un bandage et je vais mettre vite l'état. Mutation, je virai. Ah, désolé, je suis dead. Barbare. Oh merde. Oh alors. Là, il fait les lasers. Donc, j'ai 20 secondes, donc évite les lasers surtout pour le moment. Attends. Ouais, il fait des boules électriques de partout et ça rebondit par contre. Je crois que je suis baissé quand je te reste comme ouais, ça. Ouais. Oh bon ça va, putain, bon, ça merci. Va. Ok. Ok, je m'en bats. Bon bah donne-moi la masse si tu veux, vas-y. Ouais. Si t'arrives. C'est. Hop, G. hop. Voilà, c'est bon, elle est par terre. Non, elle est dans ma main. Non, je la vois pas. Non, t'as... Fais que derrière toi. Oh, ça rebondit sur le mur. Ouais. Tout à l'heure, je me mets pas. Dragon drop là, mais faut que tu la déséquipes en fait. Déséquipe là. Si oui. Tu l'as équipée, elle est à droite. Oh sur oh, moi, merde. Ça a pop sur moi, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas. J'ai eu le. Putain, j'ai pas de bol ça. Ok, c'est bon. Accroupi. Ah non! Non, j'étais accroupi! Toi aussi? Oh, mais moi ça me tue pas quand, c'est sûr que ça te tue toi. Enfin, ça... je reste, j'ai pas de vie, je sais pas. Quand je reste, j'ai un tout petit peu de vie. Tu me dis s'il fait un truc et que je dois partir? Pour le moment, c'est bon. Ok, d'accord. C'est le laser. Ok, je les regarde, je regarde où il passe. En fait, c'est qu'il faut que j'aille dans l'inventaire. Non, mais. On fait que ça en permanence et du coup, on arrive à rien. Consommer, ok. Ouais, je pense qu'il faut que je bouffe moi aussi, je vais bouffer. Merci. Je vais essayer de te rendre ta masse. Je mange. Ça va un peu mieux. Moi aussi, j'ai pris une bouffe et en plus un bandage. Fais gaffe, okay. Les trucs de feu. Putain, ils ont mis un boss de ouf. Prends pas très cher. Hein. T'as réussi à acheter la masse? Là oui, elle est exactement où je suis. Ouais, c'est bon, je ramène. Oh non, regardez pas, je suis vraiment trop nul, je pensais qu'il était déjà arrêté. Ah, c'est pas mal. Attends, on va essayer de faire ça. Derrière, il y a un petit robot. J'y vais. Oula, j'ai pris un robot sur la gueule. J'ai eu tellement de chance, c'était à 1 cm de moi, mais c'était pas sur moi.
Oh merde. Oh putain, il a activé une toile de testage à côté de moi. Oui, moi aussi. Oh putain, non, une autre. Oh non, mais comment on fait? Oh, je sais pas. Faut être au milieu. Oh, faut être au milieu. C'est pas chiant. Oh, le désert. Oh putain. Waouh, mais c'est quoi cette fin de fight de fou? Je pourrais pas 13 bah, non, comment non. Je fais? Il reste 20 secondes pour le moment. Attends un peu. Attends qu'il ait fini tous ses moves. J'ai essayé de bouffer en urgence. Oui. Consommer. Là, il a fini des trucs. Oh non. Non. Oh non, j'ai trop tard. J'ai essayé ah, de sauter. Trop... Ouais, mais. Oh, quel fight! Putain, la vache. On peut abandonner. Hein. Je reviens quand même. Bugger le jeu. Il me reste 4 secondes. Au poste de recherche le plus proche, on doit être juste à côté. On est à côté. Ah, et puis on n'a pas la bonne armure aussi, il fait chier en fait. Ça nous a servi à rien cette armure pour le moment. Ouais, bah après c'était quand même... Ah, on est un peu loin quand même. En fait, attends, je sais pas où on est exactement. Non, ça va. Regarde. On est à 230 cm. En fait, c'est juste que je sais plus par où on passe. Est-ce qu'on chaufferait pas de la bouffe sur le chemin et on la fait cuire en arrivant peut-être? Ouais, en plus on a devant la fourmilière un truc. On va essayer. Je passe par là, je sais pas si c'est le mieux. La fin de l'étoile Tesla m'ont trop surpris. Mais oui oui, c'est ce qui m'a tué. Ah, il y a du soda, ça va toi? Je prends la goutte. Fourmi noire, elle est où? Il y a un bruit bizarre. Ouais, c'est un bousier, pas un bousier, mais un ouais. Truc maladif, Clopart. Ah, les Clopart, ils font. J'étais trop surpris parce que je suis attends, c'est quoi ce bruit, je m'en rappelle plus. En fait, ça va, Clopart, c'est ok. Ouais, c'est bon, c'est par là, on est au bon endroit. Ouais, zut. J'étais ici, ici c'est un truc, c'est pas grave. Ouais. Merde, je suis repotonné. Ah oui. Attends mais. Oui, avec ta pourriture, y'a pas le choix. Y'a des moustiques, non? Tu sais qu'il y a des bruits de moustiques un peu? Ah non, les abeilles. Les abeilles. Elles sont connes le soir donc. Bah, c'est celle de la table en fait, je pense. Regarde. Hop. Ah oui. Passer par la banane, je pense. Ouais. Par où qu'on passe en fait? Là par là c'est pas bon en fait, faut faire le tour de la poubelle. Si si c'est bon. Ah non, c'était des moucherons. Ah, je les ai pas vus. Ça se mange pas les moucherons. Ah peut-être. Si, ah non, je sais plus. Quoi? Non, je crois qu'il y a quelqu'un du V. Casser un dôme de la pomme, mais on peut pas le manger, on peut jamais manger ces trucs là. Ah bon? Bon, moi j'aime plus. Hein. Ok, c'est bon. Tu me rejoins, comme ça je te montre où c'est. J'attends que tu sois dans la ouais, pas moi. Attends. Ok, une. Pomme, je crois qu'on peut. Aussi, hein, mais bon. De toute façon, on a déjà sur toi. Ah, des champignons. Bien ça. J'en laisse chez ceux-là. Ah, bah j'en ai sur moi des morceaux de champignons. Est-ce que ça marche les morceaux? Ah, bah non, j'en ai pas sur moi. Si ça marche, les petits morceaux. On attend plus, mais. Faut que je coupe les champignons, c'est ça? Je crois que ça marche pas.
Oh non, je peux pas les manger. C'est les petits. Bah t'as tout pris. Ouais mais t'inquiète, je vais en chercher plein pour nous deux. Manger qui ? Manger des champis. C'est de la nourriture pourrissante, la pomme, donc je pense que ça nous rend malade si on en mange. Ah oui, j'ai plein de champignons. J'ai rien à récolter là. Et j'essaie de trouver des pucerons et tout, mais. Non, j'en vois pas non plus. J'en entends, mais j'en trouve pas. J'entends les petits bruits là. Mais c'est la nuit, c'est dans l'arbre, c'est une galère. Moi j'entends que les bruits que des fourmis. Qu'est-ce qu'il faut? C'est les fourmis. Ah non, j'en ai entendu un. Enfin, clairement. Ah. Voilà, là, il commence à faire jour, je vais peut-être les voir. Là, il y en a un, j'en entends un par là, là. Ah, il est là. Ah. J'en ai un. J'ai eu de la un char en dessous. Mais putain, c'est là où elles se réunissent tous en groupe là, faut faire gaffe de pas de viser que le char en son et pas toutes les fourmis quoi. Follow. Peut-être faut passer par là. Ouais, je fais le tour. Le champ du pilo. Quoi, le champ du pilo ? Je passais dans la map au début et j'ai vu en dessous, j'avais l'impression que j'allais tomber dans le vide. Ouais. Oui, du coup, t'as fait un gros glitch pour pouvoir revenir. C'est marrant. En fait, j'allais près de la porte, je sautais, je faisais contrôle barre d'espace en bloquant contre le mur. J'avais vraiment l'impression que ça faisait rien, peut-être que c'était vraiment pas comme ça que le jeu marchait. Et au final, ah, j'en entends bien un petit. Bon, non, non, moi j'entends que des fourmis. Non, non, il y a que des fourmis. C'est plus aigu encore le petit charançon. Oui. C'est plus aigu d'abord. Boucheron dodu. Ouais, ils sont une de tête. Mais c'est un nouveau. Bah ouais. Non, non, non. Ah, connasse. Ah merde, non! J'ai eu le temps de manger. Non, j'ai tiré sur le moucheron, il a fait tomber plein de trucs! Plein de nourriture! Non, mais c'est de... Non, mais genre 10 000! Pourri. Mais j'avoue, c'est marrant. Regarde! Ça, je sais. Putain. Il me saoule à faire des petits déplacements là. Tiens, regarde. Pfiou. Il chie plein de merde partout. J'aurais bien le tuer. Ah, je l'ai eu.
Tac. Viser la petite bête, ça m'a fait un bouffet. Oh, bien joué. Ah, il est Moucheron de Dieu. 4 duvets de moucheron, 3 chairs. Oh, excellent. Bah, cool, vas-y, mets-toi à cuire, on reste à côté, on marave la fourmi. Ok. Je te laisse réveiller. Ok. Je vais essayer d'en tuer un autre, c'est comme ça on aura de la bouffe de marche. Un deuxième. Fois 3 à chaque fois. Ok, bon, attends, je la prends. J'en remets d'autres. Et genre, tu es un dernier, comme ça on aura. Voilà. Ok. Ah, viens, j'en vois plus. C'est lui. Hop. Voilà, je l'ai eu. Il est mort. Donc, il y a plein de nourriture pourrissante. Bon, j'ai quand même 75 flèches. Tu les tabasses, c'est quoi ça? Ouais, je veux pas qu'elle bouffe tout. C'est bon, j'ai tout pris. Méchante. Je vais les garder les bouffes. Là, je vais prendre que du champignon. Et toi, tiens, je vais t'enfiler, tu devrais faire pareil. Je te file quoi, moi? Rien. Non, c'est bon, bah non. Bah là, là t'en prends une ou deux. Prends tous les champignons que je t'ai donné. Ok. Attends-toi pour bouffer pour régène maintenant. Ah, c'est bon, j'ai régène moi. Voilà, et là, vas-y, prends une bouffe. Dessus. Ah, ça donne soif par contre. Ouais, mais il y a des gouttes un peu partout. Bon, en vrai, j'ai eu ma gourde, je m'en fous. Ok. Ok, ben, on est parti. Je crois que t'étais rentré, excuse-moi. Ah, tout ce qu'ils ont fait tomber les moucherons. Attends, est-ce que... Attends, on marque pas. Hydration is the key to performance. Ah non, mais attends, la chair elle est crue. Faut que je la fasse... Elle est pas cuite. À profiter, t'en as 3 cuites sur toi, hein. Prends pas la tête. Non, j'en ai une de cuite. Ah, ok. J'arrive. Moi, des cuites, j'en ai 5, si jamais. Puis, hein, t'en files une ou deux. T'en as que deux. Ah là, il y en a deux qui cuisent. Je vais juste. Ah, il y a le corbac qui s'est posé. Je commence à m'avancer. Oui, vas-y, j'arrive. Bon, par contre, c'est solide le boss. Oh, ça a beaucoup repop, mais elles attaquent pas parce qu'il y a que des ouvrières. Ah, tant mieux. Si tu rush, tu les laisses pas te sentir là, je sais pas quoi. Mais putain! Portable. Ok, c'est bon, j'arrive. Oh oh, la porte est toujours fermée. Il y a sûrement. Ah oui, il faut sûrement actionner un truc pour l'ouvrir quelque part à l'extérieur, comme la dernière fois. Ah oui, c'est bon. Parce que c'était fermé, mais en mode alerte. Mais oui, parce que du coup, cette fois-ci, on a cassé la vitre. C'est ça que ça faisait pas exactement comme tout à l'heure. Attends, t'es par où? T'es par là-bas? J'en ai eu mon Steph fourmi noire. Par les attaques, il y a une chance d'augmenter ton taux de coup critique. Pendant un court instant. Augmente modérée de l'endurance nécessaire pour manier les armes. Augmentation modérée de l'endurance nécessaire. Ah, parce qu'on est en armure moyenne, d'accord. Ah, et en fait, le bonus d'ensemble, c'est on renvoie des dégâts quand on part. D'accord, ah, c'est pas mal. Ok. C'est que la belle, j'ai l'impression de lui faire des dégâts, d'accord. Il faut passer par là, je m'en veux plus. Ah oui.
fait lien, bah, je sais pas, c'est une chanson. Commence pas, hein. Oh, si, c'est une chanson, quoi, spéciale. Je vais virer Fourminator, mais qu'est-ce que je peux mettre? C'était pour savoir ce que c'était, le chant du petit lot. Et pourquoi tu disais ça? Et de l'un, c'est pour l'arc, maître d'armes, c'est pour l'arme, barbare, c'est pour l'arme. Après, je vais mettre de la parade, mais je fais pas de parade sur ce fight. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah oui, je vais faire ça aussi. Vitesse de concassage. Est-ce que ça me fait taper plus vite avec la masse? Peut-être. Ah, la masse. Non, je crois pas. Dommage. Du coup, je vais prendre ça. Je vais prendre... Endurance maximale. Ouais, je vais prendre plus d'endu pour enchaîner mes attaques quand je serai au cac. Attends, oh putain. Allez. T'en sors là, si c'est ça? Non, je sais pas, je suis perdu, je me fais attaquer de partout. Et mon connard de personnage, je veux pas prendre la putain d'épée. Quand ouais, tu allais, quand tu... Ok, je te vois. Enfin, je suis au-dessus, mais je te rapporte, t'as trouvé. En gros, quand t'as les câbles, il faut aller à gauche. Tu vois les câbles. Remonte. En fait, t'es... T'es là. Je sais pas, je prends des câbles rouges en tout cas. Non, mais ça c'était les premiers câbles rouges. Mais oh oui, non. Je sais pas. Non, c'est pas grave, je respawn. Non. Non, attends. Je risque de mourir en faisant ça. C'est bon, merci. Ouais, j'avais beaucoup de vie hein, quand même. Oh, je me mets trop bien. Ok. Ouais, le blocage. Oh, double blocage, parfait. Et là, ça augmente mes critiques. Ah ouais, d'accord, tu fais plus mal un peu. Ouais, mais la différence est vraiment pas top. Enfin... Combien de temps? 8 secondes. Merci. Alors, horrible. C'est toujours pareil, c'est la porte en bas. Hein. Comme tout à l'heure. Ah mais tout à l'heure je sais même pas ce qu'on a fait, enfin, je... Si t'es venu, tu m'as rejoint. Porte B. Rappelle-toi le A, oui, c'était parce que début, j'ai tout puis visité. Après c'était la porte B. Non, tout à l'heure t'es venu direct. Mais la porte B, il y en a plusieurs. Oui mais c'était celle d'en face, enfin c'était... Ouais, c'était la suite. Et là c'est par là. On s'est porté sur les... Mets-toi un petit soin, tu remontes de folie. C'est en train, comme d'hab, ça monte à... Ouais, je pense que quand j'aurais pris un an de vie, ben je serais full. Bon, la fin du boss, ça me fait un peu peur quand même. Attends, je vais mettre aussi mes états, je vais changer. Combinateur, je vais pas mettre ça. Mon nom témoigna. Look, son témoigna se barre, c'est bon, t'es content. J'ai déjà dit bonne nuit. Ah ouais. Ouais, tout. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. On me fait tousser. Qu'est-ce qu'on se marre, les loulous. T'as pris quoi, toi, comme truc? J'ai pris. Je vais prendre ça en vrai. Œil de lynx, respiration vigoureuse, maître d'armes et barbare. Je vais mettre le truc du... De la résurrection plus rapide, pour être utile. Ouais. Comment il est, Envy ? C'est bon, je suis à côté. T'es fou, t'as de la vie ? Attends, t'as combien ? Oh, t'es pas mal. Fou, mais ça va. T'as combien de bouffe cuite ? Mais 3. Ok, tiens, on aura 4 chacun. Aussi gentil.
Et ça, bah, il est dans ta barre, comme ça, hop. Tu peux te soigner, et pareil pour les bandages. Ouais, les bandages sont toujours dans ma barre. Je mets la masse à la place de la torche, y'aura pas besoin de la torche. Ok, c'est parti. Oui, c'est vrai qu'il y a pas besoin de la torche. Faut rentrer, Lox. Oui. Ouais. Donc tu restes bloqué après. Je le dis au cas où tu... Quand on appuie là. Je vais prendre l'arc tout de suite, comme ça. Oh, attends, nos sacs, faut qu'on prenne nos sacs. Ah oui, moi j'ai pris. Je l'ai pas pris. Je garde le boss sur moi. Je fais les deux petits moi. Voilà, c'est bon. Pourri l'épée. Ouais, ouais. Pas ouf. Je tente l'épée fourmi noire, je l'ai fait. Fais gaffe. C'est sur nous en plus, saute. Oh putain. Ah, t'es resté non en plein dedans. Mais c'était fou là. Ouais, mais t'es resté en plein dedans. Oh, je suis désolé. Oh, c'est fichu. Faire un petit régène, hop là. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on a pas de régène? Un peu. Est-ce que quoi? On n'attend pas de régène un peu. Ok. Encore le truc Tesla, faudra du coup être sur les pistes, autour de les, autour de l'épicentre quoi. Faudra quoi, Teddy? J'ai pas tout compris là. Être autour de, du centre de la salle quoi, des l'épicentre du tir du laser. Ah ouais, parce que dans les coins on se faisait défoncer par les Tesla. Oh putain, waouh. Les petits robots de merde avant. Ok, il les active. Ah, au centre. Au centre, au centre. Ok, on se prépare, il va y avoir les lasers. Dans un instant, un autre. Donc faut bien se placer, regarde, place-toi bien. Y'a un truc qui me tape, je sais pas ce que c'est. Prends une bouffe, si tu la baignes. Oui. Va pas vers le rayon. Réactive les Tesla sur piste 2. C'est lui. Il électrise le sol ou quoi? Fais gaffe, il a fait un coup spécial là. C'est quoi ça? Fais gaffe, t'as les rayons, tu les as vus. Tu les as vus. Faut rester très très proche. Non, en fait. Merde. En fait, le problème c'est que je prends des dégâts même quand je suis très au centre quoi. Du coup, j'essaie de bouger, mais c'est pas une meilleure idée. Ah, attention! Merci beaucoup. Je prends une bouffe. Oh, pourquoi je suis là? Ok, il réactive les Tesla. Non, il réactive les rayons. Oh putain. Ok. Ok. Ok, je reste bien là. Ah, t'as réussi à 13? Bah, ah, j'étais retombé, j'étais en mode merde, faut pas que je... Fais gaffe! Fais gaffe, t'as vu. Non, non, de l'autre côté! Oh putain, tu t'es baissé, BJ.
Non, j'ai fait l'idiot. J'ai cru qu'il y avait plus de rayons. Ouais, attends, tu vas prendre des dégâts. Vas-y, viens au centre, ouais, voilà. Panique pas. Là, tu peux. Non, je sais pas si tu peux tenter. Non, fais gaffe, reste baissé. Oh, je l'animation baissé, oh. Allez, on bouge. What? Oh, c'est trop rapide. Ouais. Putain, j'ai jeté mon épée. En raison, tellement très vénère. Ah, bah, j'ai camarade de confiance pour maintenant. Je prends un soin encore. Tesla ? Non, pas Tesla. Les rayons, ouais. Les rayons, je me mets derrière un poteau, j'en ai marre. Derrière un poteau, ça marche. Merde. Ah, ça marche un peu. Ouais, mais c'est qu'il faut le taper, quoi. Le fight, il s'éternise. Ouais, non, mais je suis en flèche. Bon, je fais pas très mal, mais je donne toutes mes flèches. Ouais, t'inquiète, je suis passé en flèche. Fini. Allez. Enculé. Oh, vite, allez. Oh, fais gaffe, c'est pas le moment de mourir. Attends, je le loot au cas où. 1000. Oh, 15 brut. Ah la vache. Ah mais trop dur l'ennemi pour 1000 de science, je préfère aller faire deux quêtes à la con. Allez stop là. Il est mort hein, monde de nul. Oui mais il l'a tué. Oh putain. Oh la mort, le boss de ouf. C'était quoi mais ça. Mais si vous pouvez faire Nalou. Oh quel fight, c'est quoi, quel fight. J'ai plus de soin. Ah, c'est une erreur 404 les enculés, responsable d'en trouver. Ouais il est dead. Si je vais dans les données. Wendell, Ominant, Burgle, est-ce qu'on a la carte chose? Ah non, là, si, carte de responsable adjoint, on l'a. Dans chose. Alors, une carte d'accès enflammé, oh, inspecté. On peut ouvrir la porte avec cette carte, mais j'attends. Carte d'accès enflammé, carte d'accès. Ah, il y a une puce derrière. Ominant, la discarde et se profiter. Nanana, envoyé, ok. Oh putain! Assistant laboratory manager. Depuis 1989. Trop bien. Merde, il a raté le bombage de labo. Ah ouais, on a eu un fight de ouf, hein. Et sans vouloir, je troll pas, hein. Ok. Là, on avance encore un peu plus. Ah là. Putain. C'est stylé, quand même. Franchement, c'est stylé. Ils sont ultra pris la tête, c'est génial. Ouais, c'est un jeu tellement généreux. Il te donne tout ce qui peut te plaire. Ok, je regarde notre truc. Agressif fauna 1. Ah, le mixer, ça rend la faune agressive. Ouais, on a remarqué. Voilà. C'est ce que j'ai découvert. Ok, il y a un câble ici qui marche pas, c'est verrouillé. Okay. Ah, ici, il y a la super puce, mais je la prends pas encore. Ici, bah, l'autre côté, c'est complètement rien et c'est verrouillé. C'est complètement vide. Et tu peux la prendre. Il y avait quoi derrière la vitre? Oh. Mais il est complètement fou, Endel. Il fait de la merde. Hein. Oh mon de fou. On va peut-être apparaître ouais. De l'autre côté de la barrière. Ou dans le bac à sable. Le bac à sable. Ah non. Ah oui, non, c'était d'accord, tu te rappelles. Ah oui, cette porte était fermée. Mais par contre. Mais maintenant, on a le truc du responsable. J'aurais bien aimé. Ouais, mais j'aurais quand même aimé. On peut voir pourquoi c'était fermé, ça m'étonne. Il y avait rien, mais. Trop bizarre ce bouquin. Non, mais ça. Il dit. Il a raté du coup le combat. Il dit : je voulais voir la fin du film devant lequel je me suis endormi ce matin quand t'as coupé le live et que je sais même pas pourquoi je l'avais lancé à 7h au lieu d'aller dormir. Il
Il est bon le Sam. Ah mais non, d'accord, c'est juste la porte pour sortir là. Attends, pourquoi on peut pas... C'est... Attends, pourquoi il y a un télescope x8 là, je sais pas quoi. Hein? Il y a un truc, j'aime bien ouvrir la porte là, ça m'énerve. Attends, je viens, j'avais pas vu. Moi aussi, je vais t'avoir. Ah mais c'est quasi... Ben... Ah ouais, il y a un des trucs à faire en fait. Programme de relocation militaire, 0 sur 8. Tu crois que... Faut faire les 8 pour que ça s'ouvre. Bah c'est ça, mais je sais pas ce que c'est les 8 quoi, mais effectivement je pense que... Ah c'est les trucs qu'on active là en dehors. J'ai rien activé moi. Mais si, les trucs qu'on a déjà activés, ils se cassent, il faut les réparer, ils nous attaquent et tout. Tu penses que c'est ça? Tu vas attaquer. Ah bah c'est sûr, c'est le nom quand tu t'approches. Ah, écrit mix.r. J'ai jamais fait gaffe. Bon, bon, y'a plus. Ah ouais, ah bah va falloir qu'on les fasse un jour alors. J'avoue qu'on en a fait aucun. Ils sont super durs, on a réussi avec Adrien, on n'avait pas réussi. Mais ça veut dire que c'est la porte du endgame. C'est pas que le problème de combattre les ennemis, c'est aussi le problème que les ennemis ils rushent le truc et veulent le péter. Ouais. Oh, avec les tourelles, on pourra peut-être faire une tourelle à côté. Ça demande, ça dépend du. Il faut des compos et tout. Il doit falloir des compos de ouf, mais pour en tester une. Parce qu'en vrai, bah ça dit quoi, fabriquer tourelle en gravier. On pourra faire le bouclier fourmi noir aussi. Ah, faut 10 morceaux de fourmi rouge, 5. Non, mais non, il faut les deux. 10 morceaux de fourmi rouge et quoi? Alors, j'ai trouvé tourelle à gravillon qui a écrit station qui nécessite un contrôle manuel. Oui, ça m'aurait pas réussi. Il faut. Il faut des trucs un peu chiants. Bon, ça va. Il faut quoi? Je voulais que tu me dises. Inflige des dégâts supplémentaires aux créatures impliquées dans un événement défensif. Donc, clairement, tu sais, quand tu te prends donc des raids à la base. Et ouais. Et je pense que pour ça aussi, c'est défensif, on défend un truc. Ouais. Mais c'est quoi les compos du coup? Pétales de fleurs, glands, cordes. Il y a 5 ou 6 compos. Je crois que cœur de baie aussi. Enfin. Donc, cœur de baie, je crois. Même les cuirs de baie en vrai. Tige d'adventice, cupule aussi. C'est quoi des. Ah oui, les cupules, je me rappelle plus ce que c'est. C'est du chapeau des glands. Ah oui, franchement ça va. On peut largement en faire au moins une ou deux à côté d'un truc. Moins terrible, j'imagine. Bah c'est que si ça fait vraiment des dégâts supplémentaires. On les a éclatés. Hein. On leur a montré qu'ils étaient les patchons. Et maintenant faut aller voir Bulgur. Il faut rentrer. Ouais, on va aller chercher. Faudrait qu'on fasse la quête au passage. C'était quoi les quêtes qu'on avait à faire? Mettre des points. Observation. Quête. Grand chêne. Donc ça c'est près du grand chêne. Et le belvédère. Ah le belvédère il est... Peut-être que je peux y passer en partant. Ouais mais le truc c'est qu'il faut les mettre en haut genre. On n'arrivait pas à savoir comment monter. Ouais, moi j'ai pas vu de panneau en bas. Ouais t'as raison. Donc peut-être qu'il y a un truc qu'on va débloquer qui nous permettra d'escalader, je sais pas. Je sais pas du tout. Il faut sacher raison de garder là. Mais de toute façon Bulgur va peut-être nous donner une nouvelle quête maintenant qu'on a une puce. Non. Bah peut-être. On vient en rentre. Je te suis. C'est trop long. Ah, il m'est sorti par la bite celui-là. Merci cheval Sideway. Cheval c'est ça? Sideways pardon. Merci beaucoup pour follow, bienvenue à toi, c'est très gentil. J'ai pris un peu d'argile au passage, du coup j'ai mis du temps. Ah ok. J'ai pris un chewing-gum, j'ai vu. Moi, c'est rare. C'est-à-dire que quand on aura besoin, on sera content d'en avoir un peu. Ouais, ouais. Tu fais bien.
Ne pas tomber dans les interstices. Ne pas tomber dans les interstices. Je veux me connecter à Steam, mais qu'est-ce qui a changé? Félicitations! Attends, je l'ai d'ailleurs. Félicitations! Ouais, t'es facilement accessible celle-là. Ah ouais, t'as trop raison. Oh, mon équipement elle est mort. Mais de toute façon, je vais remettre le coccine alors. Parade elle est peut-être bien, mais protection c'est quand même bien. Quand même un peu mieux. Ouais, on sent qu'on est pas hyper solide quoi. Ouais. Ah ouais, les soldats là, elles m'ont mis un coup, elles m'enlèvent allez, un quart de la vie. Ah ouais, quand même. Voire même un peu plus. Ça, je me suis fait avoir quand je suis tombé, c'est parce que j'avais vu que les rayons ils s'arrêtaient et ils commençaient à se réduire en taille. C'était sur un moment où. Voilà. Ah oui. Et du coup, c'est là où j'ai râlé, j'ai avancé et j'ai fait oh merde, quel con. En fait, j'ai voulu jouer au con. Dans ma tête, c'était en mode. Moi aussi, en même temps. Dans un jeu, même si t'as l'animation, en vrai, c'est fini. Pareil, ben on mais non, en fait, c'est l'inverse. Tant que l'animation n'est pas complètement finie, ça continue à faire les dégâts. Ce qui est logique, hein, mais c'est vrai que j'ai été un peu. Clairement, mais bon. J'étais un peu con. Enfin, j'étais un peu. Ironienne. J'ai pris des risques. Et ouais, mais. À vivre sans risque, en triomphe, sans gloire, je sais plus quoi. À vaincre sans péril, en triomphe, sans gloire. Ouais. Bon, là, il y en avait un peu de péril là. Camelot, c'est pas en plantant des choux. Je viens de rajouter. On devient roi de Bretagne. Bravo, ça. Mais non, mais c'est à la GDQ, ils arrêtaient pas avec ça. Parce ah bon qu'il y avait un mec à renommer, il s'appelait Cid. Du coup, il citait la phrase la plus connue de qu'on trouve dans le Cid. Ah, vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Je savais pas que c'était dans le Cid, mais maintenant je le sais. Ah, c'est vrai que c'est le retour encore plus long que l'aller, je trouve. Oh, je suis dans la cuisine. Hein. J'attends les... Tyrolienne. Alors, c'est bien, c'est trop de la merde. C'est de la merde, c'est complètement chier ce truc. J'adore comment ils avaient fait l'épisode. Ouais, je n'aurais jamais dû faire de la tyrolienne. Et là, tout d'un coup... Attends, je sais plus comment ils font. Il faut savoir que Cartman boit depuis le début des gorgées de Super Mountain Dew. De Double Super Mountain Dew, c'est le truc. Ouais, ouais. Zéro fan double de cette tyrolienne. Mais oui. Double sans sucre. Mais c'est... c'est exactement la l'illustration de l'épisode des South Park. Pour ceux qui connaissent pas, qui parle des tyroliennes, qui s'appelle... Je pense qu'il s'appelle Je n'aurais jamais dû faire la tyrolienne ou tyrolienne, je sais plus quoi. Et c'est fait sur le modèle des émissions américaines sur des catastrophes qui se sont passées, machin. Avec une voix et tout et tout. Et cet épisode est très long. Quasiment. Avec des petits passages genre non. Oui, avec des bandes annonces et tout. Merde, j'aurais dû le mettre à. J'ai pas pensé. Il doit rester de l'eau en haut. De toute façon, je bois que demain, moi. On va faire dodo là, peut-être. Oui, mais de toute façon, le repas. Il est 21h. Très loin. Oui, mais en fait, tu vas avoir soif dès que tu vas te réveiller. Oui, mais là, j'étais en train de mourir. Ah oui, effectivement. Enfin, j'avais le temps, 115 secondes. Mais vous vous rendez. Pose mon staff fourmineur, genre. Le abeille. Le. Coccinelle, c'est bon. Coccinelle, où es-tu? Zéro fun, mais 100% pratique quand même. Clairement. C'est une tyrolienne utilitaire, un peu une tyrolienne de loisir.
Exploration. Tu sais que je m'en sers quasiment pas de ma gourde, je me rends compte. Ah, j'ai toujours rempli sur moi. Mais en vrai, vu qu'elle est goutte en haut, c'est devenu ouf. Quoi. Ok. Bon, faut aller voir bon, Burgul. On va voir Burgul. Je vais choper la piste dans la flotte. Burgul. La piste. La puce. On va voir. Ouais, il va nous donner des quêtes et tout. Ou déjà le bleu. Always happy to see a repeat. How can I help you today? Eureka, the last one. Vous avez trouvé le dernier. 3000. Le temps est enfin venu pour nous de compléter la recherche du cocktail incandescent et moi une super puce. On va pouvoir vous renvoyer chez vous. Processing. Les ongles d'orteils, bien sûr, les minuscules spatules inutiles à l'extrémité des orteils humains. Amusez-vous à les collectionner. Oh. Il faut des ongles d'orteils. Et le dernier ongle est... Oh. Ah non. Il manque en. C'est pas trop quoi vous dire. Il a délibérément effacé le dernier ingrédient de ma mémoire. Mon système m'interdit de me souvenir de l'ingrédient secret. Wendell a absolument... Elle ne voulait absolument pas. Il tombe dans de mauvaises mains. Même moi, son robot. Il n'y a pas de fait. Donc il faut trouver Wendell, mais je suis sûr qu'il est tout petit aussi. Enfin, il est toujours tout petit, je veux dire. Ah, il le dit, hein. Bah oui, il l'a dit. Ah, juste avant, il dit qu'il est tout seul, nu dans son labo, bloqué avec des énormes insectes et tout. Oui, oui, mais je veux dire qu'il est encore, quoi. Il l'a même pas fait pour lui. C'est peut-être pas trop. Oh oui! Voilà! Et c'est chicken nuggets? En gros, c'était rester sans faire de bruit. Faire l'hippopète! Ah oui, c'est d'accord. Fusible de secours. Ah, il faut le scab! Ah! Putain, à côté de sa chaise! Ah, mais c'est complètement l'autre partie du jardin! Ouais. On va essayer de suivre la, le mur, tu sais, en partant de la flotte et... Je pense, en fait. Pour voir comment on rentre, mais... Voilà, il nous donne sa localisation. Ah, près de la chaise, ça va. Défaillance du modèle. Pour rendre l'assistance technique, appelez le 800-655-4326, merci. Ouais, sa chaise préférée près du cabanon. Prenez les fusibles de secours pour réparer les problèmes qu'il rencontre avec son scab. Ok. Bonne chance. Ok. On a bien avancé. On peut aussi aller dans la pièce. Ouais, ouais, on peut, je t'attendais. Nattre. Il y a un truc là-bas, c'est. Ouh. Attends, je voulais lire. Ouais. Est-ce que c'est pas ce que je pense? Un zipper. Beaucoup de pierres. Est-ce que c'est pas une tyrolienne inversée? C'est possible. Ah, tu l'as looté, ça fait quoi, montre? Ah bah, c'est dans les données, je pense, ou quelque chose comme ça. Ah, ça. Données, choses. Zipper. Ah, on a déjà... ah ouais, on l'a. Un appareil d'attention pour... C'est le coup de puissance pour accélérer la montée et la descente des tyroliennes. Ok. J'en parlais en plus. Parce que on peut pas monter une tyrolienne en théorie. Oui, bah oui, c'est pour ça, je pense qu'effectivement. Ah, on lui achète des trucs peut-être. Bah oui. On en a une quête. Cassant. Fais des fourmis rouges soldats, trop facile. Les gamins de Molar, je fais quoi? Ouais, piles vas-y, de flèches, ressources, des piles de consommables. Comme tu veux. Pas les consommables, l'autre, les ressources. Ressources, ouais. Je préfère ça, moi. Et on a de on la peut faire la forge avancée.
Un amas de... Alors, faut faire les cubes puissants, le plaquage robuste et les pierres aiguisées robustes. On peut Ah, les... nice, ouais, let's go. Ok, carrément. Let's go. Forge avancée, amélioration fragile. Mais qu'est-ce qu'il fait comme bruit, lui? C'est deep, le jeu. Bâtiment conçu pour transformer les morceaux d'insectes en colle. Parfait pour réparer des équipements plus avancés. Oh putain, il va falloir... Non, let's go. Ouais, je prends aussi ça. Ça coûte pas cher. On va jamais finir avant que tu partes au ski. Tu m'étonnes. Bah, je vais prendre ça aussi. Là, il faut savoir que quand je regarde la gueule du jardin, et à la moitié, la deuxième partie, en fait, on a exploré deux tiers du jardin, tu vois. Mais il nous reste énormément de trucs à trouver là-bas. D'ailleurs, il y a une puce qui est là-bas, dans l'autre partie du jardin. En haut à droite, même pas au château, tu vois. Le château, d'ailleurs, il a l'air d'avoir de l'eau autour, en vrai, quand je regarde le jardin sur la map. Là-haut, derrière la table de Pikmin, il y a le mur et tout. Ah, il y a tellement de choses. On va pouvoir faire fourmelette, ouais, non. Et en fait, faudrait qu'on aille chercher, en effet, faudrait qu'on aille chercher les diverses puces, ça serait bien aussi. Faudrait qu'on trouve des fourmillons aussi. Ouais. En fait, t'as raison, il y a bien une puce dans l'eau. Il y a bien une puce. C'est quoi cet endroit? On peut faire des appâts qui, du coup, selon l'odeur qu'on leur donne, ça attire l'insecte qu'on souhaite. Ok. Donc, ça pourrait être utile. On a encore des choses à faire, quand même. Il y a beaucoup de choses à faire, putain. Eh bien, toute la maison, la chaise et tout, bon là on le savait avec Sindavini, le vélo, tout ça. C'est vraiment toute une nouvelle partie de jardin, comme on se doutait. Beaucoup trop stylé. Putain, d'ailleurs, je vais essayer la tyrolienne dans le sens inverse. Bon. Ah oui. Ça marche. Oh, c'est... Bon. Ça marche et ça hyper vite en plus. Ah ouais. Ouais. Je vais essayer moi aussi. On savait pas, hein. Et puis ça nous a servi, hein. Ça n'empêche que ça nous a servi. C'est vrai, c'est vrai. Et en vrai, quand on sera la deuxième, c'était pas trop chiant. C'était surtout quand on sera la première. C'est ça, c'est qu'une fois que c'était fait, bon bah. Ah quoi. On pourra peut-être virer celle d'en haut. Celle d'en haut, peut-être qu'on pourra faire autre chose du coup, la raccorder à autre chose maintenant. Ah, celle de tout en haut que tu voudrais virer, c'est pas l'autre? Bah, c'est que maintenant, celle-là, on peut la prendre dans les deux sens et c'est rapide en plus. Bah, mais celle de tout en haut doit être plus rapide, non? Non, oui, t'as raison. Ouais, oui, sûrement, peut-être, mais est-ce que ça, on en est à ce point-là? Je veux dire, on l'a placé, on l'a mis tout en haut. En vrai, est-ce que ça servirait pas à relier à l'autre partie du jardin, du coup? Plus tard, comme ça, c'est déjà construit, on n'aura plus qu'à mettre les câbles. Bah, qu'en faire une de l'autre côté en prenant les compos et à poser le câble. Et là-bas, ça sera pas chiant parce qu'on a toutes les compos, regarde, ça sera... une fois qu'on aura monté le wall. Comme ça, tu sais, on mettra un truc, je sais pas, on mettra vers la maison rouge, vers la chaise. Vers la chaise, on verra, en vrai. On verra, bah oui. Ça sera tranquille. Il te projette de fou, mais attends, on n'est pas encore. Non, les tyroliennes, c'est trop bien. Ouais, non, bah, on a. Comme je dis, on a rien besoin de faire. Déjà. Relax. Take it easy. Et ça m'étonne quand même. Moi, je pense que. En fait, je me demande si on devrait pas se faire un nouveau stuff. Parce que regarde. Un stuff que j'aime bien, là, qui a l'air bien. C'est. Regarde. Je vais dans les. Dans le masque coccinelle, par exemple. Regarde. Donc, il a 3 carrés en défense, résistance 7,5%. Bon. Mais si tu prends la capuche arachnéenne, elle a un tout petit peu moins de résistance, donc je pense qu'elle subit moins d'attaques, mais elle a la même défense. Et par contre, elle a le bonus régénération rapide. Donc je pense que ça augmenterait pas mal notre régène, tu vois. En fait, faire tout le stuff arachnéen nous donnerait une bonne régène, tu vois. Ouais, moi, il veut le faire. Et c'est ça. Et ça, avec l'épée moustique et tout, je vais regarder quand même sur le wiki arachnéen. Néant, parce qu'il n'y a pas les trucs arachnéen. Capuche arachnéen. C'est là-dessus que je vais arrêter la VOD. Des bisous VOD. A plus tard. Grounded.